Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Wars Rebellion. Donc nous étions en train de prendre des planètes à l'Empire. Tranquillou. Je pense qu'on est, dans une assez bonne situation. Je pense que Luke est dans les environs. Est-ce que je peux envoyer un petit peu plus de chasseurs par ici? Désolé, mais cette flotte est à pleine capacité. Ici. Votre ordre peut être exécuté. Ouais. Est-ce que je peux même tout envoyer? Yes, parfait. Ok, allez. D2 signale un message en provenance des équipes de production. C'est vrai que prendre toutes ces nouvelles planètes, ça nous a fait pas mal de mines et de raffineries. Yes, donc Gergerod capturé. Du coup, on peut... Au cas où on recapture des gens. Non, on va les laisser là au cas où il faut les déplacer. J'aimerais bien qu'on puisse construire un bâtiment genre qui s'appellerait prison. Et du coup, qui rendrait encore plus difficile le fait de s'échapper. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Par contre, l'amiral, il est où? Ah, il est là. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je crains que D2 ait de mauvaises nouvelles pour l'Alliance. Ok, je m'en doutais. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 me dit que la réparation de l'un de nos vaisseaux est terminée et que celui-ci est tout à fait opérationnel. Merde, il rentre sur tiers-fonds du coup. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Tiers-fonds, c'était loin? Non, c'était carrément dans ce secteur-là. Putain, c'est loin, ouais. Il y a un message de la princesse Leia. Bien joué. Chantinaval en attente sur Udena, parfait. En provenance des équipes de production. Donc il me faut un petit peu plus de punch dans ce style-là. Pour l'instant, on va y mettre plusieurs escadrons de B-Wing. Voilà. D2 signale un message en provenance des équipes de okay. production. Croiseur Liberator et croiseur Dauntless. Ok, donc ça continue à produire, D2 dit qu'il y a un message en provenance d'un système planétaire. Oh putain, D2 a reçu un message tout perdu. Quelle horreur. A passé ses pertes et qu'il est redevenu opérationnel. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Nous avons atteint Bien. Bien, ça va aller vite, là. D2 a reçu un message d'une de nos unités d'assaut. D2 signale un message en attente sur Xafel. Des équipes de production. Tu vas nous faire... deux croiseurs Dauntless, je pense. Cette flotte. Comme ça, elle en aura trois. Imagine trop les impériaux se dire « Ouais, on a détruit leur croiseur Mon Calamari. » Puis ils arrivent. Oh, c'est quoi ce nouveau modèle? Oups. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Ok. Les équipes de maintenance vous ont envoyé un message de la plus haute importance. Tant pis pour toi, mon ami. Voilà, je la joue pas, c'est trop facile. Et le Cerbère aussi qui va se faire massacrer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Merde, un jeune corps. C'était Camparas qui construisait. Un message de la princesse Leia. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Ok, donc eux sont arrivés. Mission diplomatique. Nous avons recueilli des informations concernant Kaetaris.
Un seul régiment de Dark Trooper, ça, ça m'intéresse. Rien de spécial ici. Et le suzerain. Ça fait longtemps qu'il est là en théorie. Bon, vous là. Vous allez me détruire. Merde. Non, mais... Arrêtez de faire passer le temps. De nos unités d'assaut. Je crains que D2 ait de mauvaises nouvelles pour l'Alliance. Merde. Le soutien des populations est en baisse. Ah ouais, quand même. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Ils arrivent quand, eux? 341. J'ai pas de soldats dans les environs. Faire destination de com, ça on va se le garder dans le coin. Waouh. Ok. Les unités sont arrivées, des escadrons ont été déployés. Chantier naval en attente sur New Cove. Yes. Donc tu vas nous faire deux Libérators. Et Moncal aussi qui est prêt. Qu'en termes de chasseurs, on est... Ah non, on n'est pas blindé. Oui, de loin même. Ok. Ok, c'est parti. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Il y a un message du chef de l'Alliance. L'Empire a eu le... Nous avons réussi. Yes. Il y a okay. Un message de la princesse Leia. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Je suis étonné parce qu'ils étaient dans le secteur 16 Vena tout à l'heure quand on s'est battu et du coup ils se sont barrés sur Vortex là-bas. C'est bizarre quand même. D2 a reçu un message d'une de nos unités d'assaut. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Bon, il a presque fini. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Valrar est une réussite. Yes. Dark Trooper sur Ketaris. Ça servait surtout à entraîner Kaïla. Hein. Rien de plus. Hein. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. C'est bien. Bilbinry commence à shifter. Corellia aussi. Ah bah tiens. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Du chef de l'Alliance. Nous avons atteint. Yes. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son. Ça serait bien que le message dise mission diplomatique terminée. Le soutien de la planète ne peut pas être plus amélioré. Ça serait parfait, ça. On a commencé à déployer quelques escadrons là-bas. Et je viens de me réinstaller dans mon fauteuil, donc du coup, il faut remettre les mains au bon endroit. Parfait. Et sur Chrome, on a nos 4 agents qui sont prêts. Laissez-moi vous rappeler qu'on ne peut envoyer un message aux unités passées en vitesse supraluminique. Il faut attendre qu'elles parviennent à destination. Libérez-moi Luc.
Surtout que sur cette flotte, il n'y a pas grand chose. Il y a un message de la princesse Leia. Nous devons continuer. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Alors, sur Uvena, on va en profiter du coup pour renforcer la défense anti-chasseur de cette flotte. On devrait aller vite à construire des... comment ça s'appelle ? Canonnières coréliennes. On va mettre 6, 16 jours, parfait. Ok, ensuite. Mon Dauntless, merde. Voilà, je veux que l'amiral aille dans le plus gros vaisseau. D2 a reçu un message d'une de nos unités d'assaut. Ah, ils ont pris les 3 planètes qu'ils pouvaient. Je crains que D2 ait de mauvaises nouvelles pour l'Alliance. Le soutien des populations est en baisse. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. J'ai pas envie de tenter d'aller là-bas. Ça, par contre, c'est vachement plus jouable. Allez, chopez-moi ce mec, comme ça on peut peut-être essayer de choper Traun. D2 a reçu un message d'une de nos unités d'assaut. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 dit qu'un de Talon Card est arrivé, ok. Donc on va l'envoyer dans ce secteur-là plutôt, Bakura. J'espère qu'il ne se fera pas attaquer par des... comment il s'appelle déjà, merde. D'une de nos unités d'assaut. Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais c'est des créatures reptiliennes qui sont sensibles à la force. Du moins, qui cherchaient des gens sensibles à la force. Qui en fait avaient des espèces de drones qui contenaient les esprits des gens qui capturaient des autres espèces. C'était un truc assez immonde. Les Sihiruk. Oh, c'est ça, les Sihiruk. Tralus. Pas besoin de ça, on peut les démolir. Il y a un message du chef de l'Alliance. L'Empire a eu de cette aile à pagaille. Merde. Il y a un message de la princesse Leia. Ça aurait pu se terminer. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Ah. Ah. Yes. Yes. Arrive quand, 1345. Ok. Bon. Gwydon 5, parfait. Donc ce qu'on va faire à Gwydon 5, on va commencer à se promener. Non. On va l'envoyer dans le secteur d'Olomar, à Tangrine. Voilà. Ensuite, on va renforcer cette deuxième flotte. Justement avec 6 canonnières pour l'instant. Voilà. On a un croiseur libérateur déployé à Corellia. D'ailleurs, ils sont où? Mais putain, Akbar, il est là-dedans, vous déconnez ou quoi? Ah, on avait plus gros quand même. Voilà, dans un croiseur bulwark. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Ça fait plaisir, hein. Le truc, c'est qu'il va falloir qu'il progresse. C'est ça le problème. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport.
Merde. Déjoué par les forces adverses. Quel dommage. Luke, je vais l'envoyer dans le secteur d'Olomar parce que c'est le plus proche. Il va l'aider à Kaya et Roger Jerry. Je signale un message en provenance des équipes de production. Ok. Il y a un message de Messire Luke. Messire Luke est arrivé. T'as quoi comme stat? Pas génial, Luke, c'est pas génial. Mais tu vas ici en 26 jours avec ton X-Wing et R2-D2. Ah mais non, il est là. R2-D2, c'est moi qui l'ai. C'est pour ça que tu t'es fait capturer. C'est parce qu'il n'y avait pas R2 pour protéger tes arrières. D2 signale un message en provenance des équipes de production. Ok, donc maintenant ça va redevenir beaucoup plus intéressant qu'on a Luke. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet juste son rapport. Juste un peu le personnage le plus important de l'Alliance, quoi, et on l'a pas eu pendant... peut-être 800 jours, à peu près. Il y a un message de la princesse yes. Leia. Yeah, ils ont fini. Allez, dernière planète. Merde, j'aurais dû en... Bon, c'est pas grave, je transférerai des troupes depuis Corellia une fois qu'on aura pris la planète. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. On va attendre que Luke arrive. Au fait, je me disais bien aussi. D2 signale un message en provenance. Flotte est arrivée. Nous sommes en train d'en faire le blocus. L'une de nos flottes nous donc on peut faire un assaut direct. On envoie nos diplomates. Selon lequel notre flotte. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, je sais très bien ce que je fais. On transfère du personnel depuis ici. Voilà. Pas la peine d'en laisser plus que ça. Et nous avons sécurisé le secteur corélien. Secteur Farfin a bientôt fini d'être sécurisé. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. Sur Chalcédon, c'est une réussite. D'accord, il n'y a personne. Dala et Dark Vador, je sais pas où ils sont. L'Empereur, je sais pas où il est. Du monde sur Coruscant. On lui a capturé un gros paquet de monde quand même. D2 signale un message en provenance des équipes de production. D2 dit qu'un de nos agents nous transmet son rapport. C'est quoi ça? Ah oui, j'avais construit quelques chantiers. D'ailleurs, il fallait que je les finisse. On va voir. Voilà. C'était pour compléter un petit peu ce qu'on avait ici. On va rajouter quelques... dizaines de A-Wing. Ensuite. D2 signale un message en provenance des équipes de production. L'une de nos unités nous informe qu'elle est arrivée à destination. Il y a un message du chef de l'Alliance. Merde, nous avons atteint yes. Notre... D2 signale un message en provenance des équipes de production. On commence à déployer nos premières canonnières ici. Un de nos agents nous transmet son rapport. D2 bon. Signale un message en provenance des équipes de production. L'une de nos flottes nous signale qu'elle a quitté l'hyperespace. Ça m'intéresse. Et qu'elle est parvenue à destination. On va aller prendre les mines de Kessel. Il y a un message de la princesse Leia. Je savais qu'elle avait réussi.
L'autre, il a réussi dans la foulée. Bon bah c'est l'heure. Je vais m'arrêter là sur cet épisode. Donc merci à tous, comme d'habitude, de m'avoir rejoint. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de la partie, hein, honnêtement. Bon, il nous reste nos trois objectifs quand même à réussir, mais on est dans une bonne situation. Bon voilà, merci à tous, à très bientôt, même la semaine prochaine. Et voilà, bye bye.